Eh bien salut tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode de la série sur Jurassic World Révélation. Donc dans cet épisode donc, je vais vous montrer donc je vais vite fait passer enfin sans shader, je vous le remettrai tout à l'heure. Donc en off, donc déjà comme vous avez pu le voir normalement au début de la vidéo, donc j'ai fait ma petite zone agricole. Voilà. J'ai rajouté aussi le mode Better Foliage, voilà, foliage, je sais pas comment on dit, qui rajoute plein de particules avec les feuilles, etc. Donc sur les arbres, ça fait vachement beau, je trouve. Ensuite, donc là, j'ai fait vraiment un gros truc en off, c'est ça. Voilà, c'est une zone, donc comme je voulais faire, donc après, je mettrai plein de trucs autour. Ça continuera de l'autre côté. Ici, ça va être pour le T-Rex. Donc les deux T-Rex de Jurassic World et de Fossil and Archaeology, de Jurassic Craft et de Fossil and Archaeology. Mon Sarcosuchus, il a un peu grandi encore. Là il est devenu voilà, c'est devenu un adulte. Je pense que j'agrandirai la cage. Le petit Vélociraptor, il est où? Il est où? What the fuck? Bon là il y a la cage du Dilophosaurus. Là du Liptictidium. Il est où mon Vélociraptor? Il avait à manger. Moi je comprends pas. Ah merde. Pourtant oui, il y a des carnivores. C'est bizarre. Bon, tant pis, je leur mettrai en off. Donc on va commencer, donc on va aller dans la dimension cristal pour cet épisode. Mais avant j'aimerais repasser en humain. Donc en fait, oui, donc à la fin de l'épisode dernier, hop, donc vous voyez que là j'avais, j'ai réussi, donc il a pas fail, j'ai réussi à avoir le Compsognathus et le Liopleurodon. Donc, hop, alors on va en prendre deux autres, donc le on va prendre celui-là, et on va faire aussi, le Vélociraptor de Jurassic Craft. Alors attendez, hop, mince, faut que j'aille remettre de l'eau. Hop, non, je suis tombé. Hop, hop, voilà, tac, et du coup on peut mettre l'ADN. Ok, on peut pas stopper. Tant pis. Parce que j'avais oublié de mettre. Bah, j'avais pas rempli la bouffe en fait. Donc je pense que ça va. Et du coup, on va mettre ça. Il faut des bols de lait. Donc ma vache, en fait, elle s'est enfuie. Du coup. Juste en avoir une à côté, hop, flying. Et à la fin on dirait dans la dimension cristal, hein. Voilà, du coup hop, allez, faut juste trouver une vache. Oh, oh, Ether Dragon, non c'est pas ça que je veux, tant pis. Hop, deux sauts de lait. Donc je verrai pour le mode de Better Foliage si je le laisse ou je le garde. Je verrai parce que je crois que ça me fait vachement bugger avec les... J'aime bien le bois. Avec les shaders. J'aimerais bien garder les shaders. Du coup
coup, on verra. Du coup, hop, allez, on le met là. Et ça, on le met là. Et on va mettre le. Tiens, ça. Le Galliminus. Tac. Ici, avec du lait. Voilà. Donc, voilà, en espérant que ça n'a pas fail. On ira voir ça à la fin de l'épisode. Je vais faire un petit M7-0 parce que ici, c'est chiant quand ça spawn. Putain, je suis en Steve. Ah non. Je vais pas faire J, c'est pas grave. C'est quoi ça? Ah d'accord, c'est l'île. Donc on va aller dans la dimension cristal. Et pour y aller. Attendez. En fait pour y aller, on peut pas. Faut pas qu'on prenne des. Faut qu'on a rien sur nous en fait. Sinon on perd tout. Enfin, on peut plus le perdre parce que avant ils nous prévenaient pas. Maintenant ça va, ils nous préviennent. Putain, je suis devenu un Jean-Kevin quoi. Hop, du coup, et bah, on peut rien apprendre. Hop, je pose ça, ça. Hop. Tac, 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 tac. Hop, au niveau de la bouffe. Ça. Hop. Torches, on va les mettre là. Du coup, on va prendre. J'ai mon chapeau, moi. Ouais. Du coup, on va prendre. Donc, c'est les termites. Voilà. C'est parti. Hey. Empty your inventory. Ah oui. Hey, vite, vite. Voilà. Donc, vous allez voir la nouvelle dimension. Ok, là j'ai spawn. Ah, c'est complètement what the fuck cette dimension. Qui est mode 0. Voilà donc. Donc ça c'est un arbre. Ça c'est. Vous voyez que ça c'est de la. C'est de la terre. Je trouve ça vraiment. C'est vraiment, vraiment stylé cette dimension. Du coup. Les arbres. Hop. D'accord, bon, je vois un peu ce que c'est. Hop. Du coup, attends, on va enlever ça. Alors, ça nous fait du bois. Crystal planks. Bah. Attendez, on va voir ces arbres là-bas. Ok, il y a des crabes. On peut voir les grottes aussi. Hein. C'est des. Les grottes, c'est des sortes de labyrinthes en fait. Hop. Attends, je pense avec Tricapitator. Donc, la table de craft, elle est là. On va faire. Hop. Je trouve vraiment stylé les. Ah non, ça marche pas. Désolé pour ceux qui aiment bien enlever tout le bois. Mais bon, on va pas passer notre temps à couper du bois. Mais ouais, je trouve ça cool. Par contre, est-ce que. Un petit shader. Ouais, on va garder le shader. Et par contre là au niveau de la bouffe on n'est pas gâté. Putain, j'ai des petits bugs de latence. La kyanite. Enlever le shader là par contre parce que je vois rien. Attendez, je vais faire une déco reco, je vous retrouve tout de suite après. Ok, ref. Donc j'ai toujours ce petit bug là, un peu de latence, un petit peu chiant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la kyanite? Oh,
Pas mal. Du coup, on va laisser un peu de place. Ah, attendez. Il y a des baleines. Du coup, avec la kyanite. Hop. On va se mettre en oiseau. Et on va se faire là. Parce que là il donne beaucoup de poissons en fait. Téléporter, là on est mort. Attendez, je vais déjà récupérer la plupart des poissons. Hop. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. Allez, allez, on casse. Nickel. Oh, allez, putain. C'est chiant que ça bug. Ah, voilà. Du coup, ça nous fait 27 poissons. C'est nickel. Allez, on y retourne vite. Donc, ça, c'est vrai qu'elle est vraiment bizarre. Oula. Non, c'est des boss. Je ne vais pas y aller. On peut faire quoi d'autre avec la kyanite? Un four. Ok, en fait c'est de la pierre quoi. Ma table de craft, hop, on va la mettre là. Tac. Ah merde, j'en ai plus, évidemment. Ah, c'est 6 là carrément. Hop. C'est vraiment stylé, je trouve, les matériaux. Non, c'est pas ça que je veux. C'est celui-là. Ouais, ça nous fait un four. Maintenant, plus qu'à récupérer un peu de charbon ou quoi. Donc là, au pire, on va descendre comme ça. Là par contre, là il y a des spawners et tout, c'est assez galère. Il va falloir faire attention. Et dans cette dimension, en fait, il y a des boss qu'on a besoin de tuer pour la Big Bertha, comme le Vortex. Ou je crois qu'il n'y a que lui. Tourmalite. Encore, bon, c'est bon. La kyanite. Bon. Oula. Oula, 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 oula. Je me taille. Il n'y a que des pioches.
que genre avec la kyanite on peut se faire un stuff? Dommage. Putain, avec des pioches. Allez, allez. Faut essayer de trouver. Non. On a quoi comme. On est à 25. Avoir du mal à les tuer hein, si j'ai pas de stuff. Genre avec hors spawn, il y a quoi comme hors spawn? On peut trouver quoi dans le truc cristal? Faut essayer de tuer des mobs avec la Kyanite Sword. J'essaie de la retrouver. C'est dommage qu'il n'y ait que des pioches. Bon allez, please. Avoir un boss. Alors, par contre, je sais pas s'il y a un truc qui nous attend à la fin. Enfin, si on arrive à tout. Pas si on trouve. Enfin, on arrive à trouver le chemin du labyrinthe, mais je crois pas que c'est un. Je crois que c'est un labyrinthe partout, quoi, en fait. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'issue. Chien et un bruit de lion. Putain, c'est quoi ce bruit? Allez, dépêche-toi. Voilà, donc j'ai des cœurs. Un bout de bois. C'est ça la récompense? Et que ces mobs là? Putain, y a pas d'autres trucs. Cette dimension elle est un petit peu vide, hein. J'en suis désolé. Ah, attendez. Énorme. Ce que c'est ça. Parce que genre avec hors spawn. Ah, on peut avoir un spawn de vortex, ok. On va voir ce que c'est ça. En fait c'est extrait le machin quoi. C'est carrément extrait. Hop. Ça c'est quoi? Je sais, ils me disent que c'est de la bedrock. Tiger Ice. Voilà. Ok, je l'ai récupéré. Ça va faire quoi? Tiger Ice Ingot. Ok. D'accord. On va en récupérer parce qu'on a besoin. Si on veut se faire une tenue entière. Bon, bah. Ce que je vais faire au pire, c'est que je vais récupérer un maximum de minerais dans cette dimension. Donc voilà, je le trouve pas très très intéressant. Il faudrait juste que je trouve le vortex. Comme ça, je le tue.
Comme ça, bah, on aura une pièce supplémentaire pour la Big Bertha. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.